ça. J'adore ça. Ça sera proche, comme ça. Un peu, ouais, un peu. Trois quarts, trois quarts. Contre le mur, là, comme ça, de trois quarts, avec une ombre, voilà. Et ça, c'est toi qui l'as commandé ? Si, c'est moi qui l'ai commandé. Moi, j'adore le côté banane, là, avec... Banane, et quand tu l'avais mis tout à l'heure, il y avait beaucoup, hein. C'est une approche couture. Attends, il y a monsieur qui a un moment ici. Voilà. Et là, on peut encore plus fermer, hein. Si, referme. Voilà, ça, c'est très joli. On dirait qu'on va se faire une mammographie. Hein. Oui, je suis désolé. C'est pas fait exprès. C'est un peu ça. Non, hein. Non, mais c'est un peu ça, oui. Hop. Oh, elle est parfaite, cette routine. Oh, tu as vu, hein, j'ai fait toute la panoplie. Hein. Tous les habits partent comme ça, hein, dans la tête. Je ne suis pas le seul, hein. Et après, il faut faire comme ça. Pour marcher avec la tête. Si, si, c'est trop joli, on dirait comme avec un. Oui. Oui, oui, hein. J'aime beaucoup, ça fait comme des manrailles. Ouais. Ça fait des ouais. Classiques, hein. Oui, tout à fait. La relation des femmes avec les chaussures, c'est un peu comme la relation des femmes avec les hommes. On ne peut pas vivre sans eux, mais avec eux, qu'est-ce que ça fait du mal? Et j'adore ces phrases parce que c'est vrai un peu les métaphores, même si ça nous fait du mal. Comme je dis, ça, c'est un truc même thérapeutique. Les talons, même celui des chrétiens, il y a une chose thérapeutique. Une fois tu montes sur eux, même si à bout d'un moment ton métatar se fait. Ah oui, comme je dis, c'est un peu Cinderella, les syndromes Cinderella. Je dois rentrer là, parce que mon métatar commence à hurler. Mais en même temps, pour la morale, ça fait un trou d'enfer. Hein. Tu montes sur des le boutin, et le monde, il y a notre couleur. Hein.